Mathieu? Aujourd'hui, mathématiques. Even in certain comes to make me fall, he will support me. Jesus my Savior, he is my fortress. You are more. Nous allons travailler mathématiques aujourd'hui. Mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est mathématiques qu'on va travailler. Jesus. Quien es mi escudo y mi defensor? Cuando Satanás viene a tentar, él me sustentará. Jesús mi salvador, él es mi fortaleza. Hey, il détruit toute ma malédiction qui est contre moi, qui vient du diable. He's my fortress. He's my savior. Amo a Jesús. Que construyó mi vida en roca sólida. J'aime Jésus qui construit ma vie sur les rocs solides. Même si ça tombait, vous me faites tomber. Il me soutiendra, Jésus mon sauveur, il est ma forteresse. J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Hola, 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 hola. Juan Diego. Primo. Rachel Jean. Okay. What matter we will be cheating today? Okay. You will see. Okay. Wait for me. We will to talk about identité remarquable today. On va parler de l'identité remarquable aujourd'hui. Aujourd'hui, on va travailler mathématiques, mesdames et messieurs, mes amis. On va travailler sur l'identité remarquable. Hola, 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 Juan Diego. Vamos a trabajar un poco de matemáticas. Este momento, gracias. Ok. Legendary. Buenas tardes. Good evening. Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'identité remarquable. Nous allons faire une démonstration. Nous allons démontrer aux gens comment nous pouvons
résoudre A plus B au carré, A plus B au carré, A plus B au cube. Nous allons voir tout. D'accord? Nous allons démontrer quelques formules en ce moment. Est-ce que vous êtes avec moi? Mesdames et messieurs, bonsoir. Hola, 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 hola. Hola, amigos. ¿Cómo están? Vamos a trabajar un poco matemáticas este momento. OK. Aujourd'hui, on va parler de l'identité remarquable. C'est ça qu'on va parler. Identité remarquable. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous voyez? On va parler de identité. Identité. Remarquable. D'accord. On va parler de l'identité remarquable. Est-ce que vous êtes là, mesdames et messieurs? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi? Allô? OK. Rachel Jean. Rachel Jean. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. What matter will you be okay teaching today? Today we will talk about the identité remarquable. What now? OK. C'est ça qu'on va parler. On va parler sur l'identité remarquable. D'accord? Ashlyn Augustin. Bonsoir. Bonsoir, Ashlyn. Est-ce que vous êtes là? Hola, 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 ¿cómo están? Vamos a hablar un poco. Vamos a hablar sobre matemáticas un poco. Vamos a hablar un poco de matemáticas. Vamos a hablar sobre matemáticas. Vamos a ver identidad. OK. Eso vamos a ver este momento. L'identité remarquable. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? On va parler de l'identité remarquable. Comprendre la formule. Comprendre la formule. On va découvrir une formule qui va nous permettre de développer A plus B. Identité remarquable. Nous allons découvrir une formule dans cette vidéo. A plus B au carré. C'est ça. Et puis nous allons parler de A moins B au carré. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. En ce moment même, pour les gens qui aiment mathématiques, aujourd'hui nous allons travailler un peu sur identité remarquable. C'est ça, on va travailler sur l'identité remarquable en ce moment. Pour les gens qui aiment les mathématiques, d'accord, en ce moment, nous allons comprendre la formule dans cette vidéo. Cette formule, nous allons apprendre ensemble. On va découvrir une formule qui va nous permettre de développer A plus 1, A plus B au carré. D'accord? Quel est l'intérêt de cette formule? L'intérêt de cette formule-là, OK, ce qu'elle va nous permettre de développer plus rapide, alors c'est son intérêt.
C'est son intérêt. L'intérêt de cette formule est juste pour apprendre à développer plus rapide, plus rapide, A plus B au carré. Est-ce que vous êtes prêts pour apprendre ça avec moi? Nous allons faire une démonstration juste pour pouvoir trouver les résultats de A plus B au carré. A plus B au carré, souvent, il y a des gens qui disent A plus B au carré égale A carré plus B carré. Alors, mesdames et messieurs, A carré plus B carré, c'est faux. C'est faux. C'est faux. A carré plus B carré, c'est faux. C'est pas ça. A carré plus B carré, regardez bien. A carré plus B carré, ça c'est faux. C'est mal. Regardez. C'est pas bon. C'est pas bon. A carré plus B carré, c'est pas bon. A carré plus B carré. OK, A plus B au carré égale A carré plus B carré. C'est pas bon, c'est faux. D'accord? Regardez bien. A carré plus B carré est égal, c'est A plus B au carré, pardon. A plus B au carré égale A carré plus B carré, c'est faux. C'est pas bon. Regardez comment nous allons trouver. Voilà le vrai résultat. A plus B au carré est égal à A carré plus 2AB et puis plus B carré. C'est ça qui est bon. OK, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Et puis, c'est vrai. C'est ça. Nous avons... OK. Lorsqu'on a A plus B au carré, ça nous donne A carré plus B carré. C'est faux. Mais le vrai résultat, c'est ça. A plus B au carré est égal à A carré plus 2AB plus B carré. Comment c'est bon? Oui, c'est bon. Comment nous pouvons trouver ce résultat? C'est facile. Regardez, vous allez suivre avec moi. Pour trouver ce résultat, juste nous allons développer A plus B au carré. Comment nous devons développer A plus B au carré? Regardez avec moi. Nous allons mettre A plus B multiplié, puisque c'est au carré, on va mettre ça deux fois. On va multiplier A plus B par A plus B. Alors, regardez avec moi, c'est facile. Nous avons A multiplié, OK, A fois A, ça donne A carré. A fois A, ça donne A carré. Et puis, nous avons A fois B, ça nous donne AB. Ça nous donne AB. On doit commencer avec A. On a déjà terminé avec A. Maintenant, qu'est-ce qu'on va entamer? Nous allons entamer B. OK. Nous allons entamer B. B fois A est égal à AB. B fois A. B fois A, ou du moins, si vous ne voulez pas dire B fois A, vous pouvez dire B multiplié par A.
égale AB. B fois A est égal à AB. Maintenant, B fois B. B fois B, B fois B, ou bien B, B multiplié par B est égal à B carré. Voilà. Regardez bien. Nous avons A carré. On n'a pas autre A carré. Nous avons, ok, nous avons un seul. Nous allons descendre A carré ici. Et puis, nous avons coefficient de A. Nous avons coefficient de AB qui est 1. Et nous avons coefficient de AB qui est 1. Qu'est-ce que nous allons dire ici? Nous allons additionner les deux coefficients de AB. 1 plus 1 est égal à 2. Est égal à 2AB. Et puis nous avons B au carré. Alors c'est ça la formule. Hein? C'est facile. Alors c'est ça. Le vrai résultat, c'est ça. Qui est le vrai résultat. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous êtes là? OK. Et Brother 509, bel travail, Brother. Merci. Merci, 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 merci. Merci, 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 Brother 509. Merci. Et nous sommes en train de parler de l'identité remarquable, mais nous sommes en train d'utiliser la formule qui peut nous aider juste pour trouver le vrai résultat de A plus B au carré. D'accord? Quelle formule? C'est facile. Cette formule-là que nous sommes en train d'utiliser, hein? Ça nous permet de trouver le résultat de A plus B au carré. Bien, ça c'est l'identité remarquable. Est-ce que vous voyez? Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas mathématiques, mais mathématiques, c'est bon partout. Mathématiques, c'est bon partout. C'est l'une des raisons, c'est pour ça que je suis là, juste pour vous parler un petit peu de mathématiques en ce moment. D'accord? Vous voyez? Mesdames et messieurs, bonsoir, une fois de plus. Nous sommes en train de parler de l'identité remarquable. Comprendre la formule dans cette vidéo. Comprendre la formule dans cette vidéo, c'est facile. OK? Et on va découvrir cette formule qui va nous permettre de développer A plus B. Cette formule va nous permettre de développer A plus B au carré. Il y a des gens qui disent A plus B au carré est égal à A carré plus B carré. C'est faux, c'est pas bon. A plus B au carré, A plus B au carré, OK, n'est égal pas à A carré plus B carré. Ça, c'est faux. Regardez, A plus B au carré est égal à A carré plus 2AB plus B carré. Comment nous pouvons trouver ça ici? On est en train d'utiliser cette formule, OK, qui va nous permettre de développer A plus B qui est égal à A carré plus B carré et qui est égal à A plus B au carré est égal à A carré plus 2AB plus B carré. Voilà qu'est-ce qu'on fait. C'est facile. Puisque A plus B est au carré, moi je prends A plus B multiplié par A plus B. Moi je dis
A multiplié par A est égal à A carré. A multiplié par B est égal à AB. B multiplié par A est égal à AB. B multiplié par B est égal à B carré. Regardez. Ou du moins, ça, on peut faire une autre. Ok, on peut utiliser un autre chemin. On dit A fois A. A fois A. A fois A. A fois A est égal à A carré. Ok. Il faut utiliser A. Il faut multiplier A par A plus B. Ok. Quand on termine d'utiliser A, on va entamer B. C'est ça que je suis en train de faire. Regardez avec moi. A fois A est égal à A carré. A fois B est égal à AB. OK, maintenant on termine avec A. On va entamer B. B fois A. B fois A est égal à AB. B fois B est égal à B carré. OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? En arrivant ici, qu'est-ce qu'on peut faire? En arrivant ici, on peut faire l'addition. Ici, nous avons A carré. Est-ce que nous avons un autre A carré? Non. Puisque nous avons un seul, nous allons descendre A carré ici. Ici, nous avons coefficient de AB qui est égal à 1. Le coefficient de AB qui est égal à 1. Et puis nous avons combien de AB nous avons ici? Regardez, nous avons deux AB. Nous avons AB, AB. Nous avons un coefficient ici. Nous avons un coefficient ici. Et nous avons un coefficient ici. Ça, c'est sous-entendu. Regardez bien. 1 plus 1 est égal à 2 AB. 1 plus 1 est égal à 2. C'est ça que nous sommes en train de faire. Bien. AB, il y a un coefficient qui est 1. Vous voyez? C'est ça. Le coefficient de AB, c'est 1. Le coefficient de AB, c'est 1. Et nous avons 2 AB. Nous avons 2 AB. Puisque nous avons 2 AB, et puis le coefficient, c'est 1, nous allons dire 1 plus 1 qui est égal à 2. Et puis nous avons A plus B plus A plus B est égal à 2AB. Et nous avons ici B carré. Puisque nous n'avons pas autre B carré, nous avons un seul. Nous allons descendre ça ici. Alors, mesdames et messieurs, c'est ça. C'est facile. C'est facile pour trouver la formule de A plus B au carré. Nous allons tourner, on a déjà trouvé la formule A plus B au carré. A plus B au carré qui est égal à A carré plus 2AB plus B carré. Alors, comment s'appelle cette formule? Alors, nous sommes en train de parler de l'identité remarquable. Puisqu'on parle de l'identité remarquable, il faut parler de A plus B au carré, et puis A moins B au carré, A plus B au cube. Et dans l'exposant que vous voulez. Et maintenant, nous allons prendre A moins B. Regardez bien, A plus B au carré n'est égal pas à A carré plus B carré. Non, 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 ça c'est faux. C'est faux. C'est faux. A plus B au carré. Et des gens disent que A plus B au carré est égal à A carré plus B carré. Ce n'est pas ça du tout. Ah, ok, regardez. A plus B au carré est égal à A carré plus 2AB plus B carré. Et j'ai déjà démontré, ok, j'ai déjà développé cette formule
qui est plus rapide, juste pour trouver les résultats, mesdames et messieurs. D'accord? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Hay alguien que habla español por aquí? Dígame saber. Hay alguien que habla español? Si alguien habla español, dígame. Yo les voy a traducir en español. Ok, mira, estamos hablando de identidad y identidad. Ok, estamos utilizando A más B al cuadrado. A más B al cuadrado no es igual a A cuadrado más B al cuadrado. No es, sino, mira, tenemos un camino. Ok, tenemos una demostración, tenemos un camino que podemos ayudar para conseguir el resultado. Mira bien, estamos hablando de A más B al cuadrado es igual a A cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Eso estamos hablando ya. El resultado es eso. Ya tenemos que multiplicar dos veces, porque está al cuadrado. Si está al cuadrado, tenemos que ponerle dos veces para multiplicarlo. Entonces, multiplicando, ahí está el resultado. Ahí eso está muy bien. Ok, si hay alguien que habla español aquí, déjame saber. Ok, ¿ça va? Est-ce que vous comprenez, mesdames et messieurs? Est-ce que jusque-là ça va? Et maintenant, on a déjà terminé avec A plus B et au carré. Maintenant, nous allons tenter de résoudre A moins B au carré. A moins B au carré. C'est ça. Je vous donne une minute. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là, mesdames et messieurs? Est-ce que vous êtes là? Ah, ok, damas y caballeros, amigos, están ahí todavía. Miren, estamos hablando de matemáticas. Ok, ya. Yeah. Ok, miren, ya. Yeah. Ahora, hablamos. Estamos hablando de A moins B au carré. A moins B au carré. OK? A moins B au carré. Comment nous pouvons trouver des A moins B au carré? Le résultat, c'est facile. Moi, je sais, nous allons développer A moins B au carré qui va nous donner le résultat. Regardez, mais je sais. Vous pouvez trouver également A moins B au carré est égal à A carré moins 2AB moins 2AB et puis plus B carré. Alors c'est ça. D'accord? C'est ça. Maintenant, Comment nous pouvons résoudre ça, mesdames et messieurs? C'est facile. Comment nous pouvons développer ça? Alors, on va développer. Nous avons A moins B au carré. Si nous avons A moins B au carré, regardez avec moi. A moins B au carré. A moins B au carré est égal à A carré moins 2AB plus B carré. Voilà. Facile. Regardez avec moi. Nous allons utiliser une formule qui va nous permettre de développer A moins B au carré. D'accord? Est-ce que vous êtes là?
Nous allons utiliser une formule qui va nous permettre, hein, ok, qui va nous permettre de trouver le résultat de A moins B au carré. Si vous êtes là, regardez bien. A moins B au carré est égal à A carré moins 2AB plus B carré. Exemple. Ok? Démonstration. Nous allons démontrer comment A moins B au carré est égal à A carré moins D moins 2AB plus B carré. Démonstration. Regardez. Si nous avons A moins B multiplié par A moins B égal. Regardez bien avec moi, mesdames et messieurs, c'est facile. A fois A, nous allons commencer avec A en premier. Nous avons A fois A. OK? Puisque c'est OK, A fois A, ça donne A carré. En multiplication, d'accord? Et l'exposant, d'accord? L'exposant, c'est facile. C'est pas la même chose lorsqu'on est en multiplication. C'est pas la même chose en addition. C'est pas la même chose à addition. C'est vraiment différent. Regardez, A fois A est égal à A carré. A fois A est égal à A carré. Si on a A multiplié par A, ça donne A carré. Si on a B multiplié par B, ça donne B carré. Si on a C multiplié par C, ça donne C carré. Si on a X multiplié par X, ça nous donne X au carré. Alors, c'est ça. Regardez bien. C'est ça. OK? Lorsqu'on est en multiplication, ça se trouve, les exposants, c'est vraiment différent par rapport à addition. Maintenant, nous avons, pour multiplication, nous avons A fois A. A fois A. A fois A, ou du moins, si vous ne voulez pas dire A fois A, OK? Vous voulez dire A par, OK, A multiplié par A. A multiplié par A est égal à A carré. A multiplié par moins B. A multiplié par moins B est égal à moins AB. Pourquoi moins AB? Parce que A vient, OK? Dans l'alphabet, on trouve A avant B. A fois A est égal à AB. On a déjà terminé avec A. Maintenant, nous allons entamer moins B. Moins B multiplié par A. Moins B fois A. Moins B fois A est égal à moins AB. Pourquoi on dit moins AB? Parce qu'on trouve A. Dans les alphabets, on trouve A avant B. A vient avant, avant B. Avant B. Regardez bien. On reprend. Moins B multiplié par A. Si vous ne voulez pas dire multiplier, vous voulez dire également moins B fois A. Moins B fois A est égal à moins AB. Et maintenant, nous avons moins B multiplié par moins B qui est égal à plus B au carré. Pourquoi? En mathématiques, nous avons moins multiplié par moins est égal à plus. En mathématiques, nous avons moins multiplié par moins est égal à plus. En mathématiques, nous avons plus
multiplié par plus est égal à plus. Et puis nous avons moins multiplié par plus est égal à moins. Nous avons plus multiplié par moins est égal à moins. C'est ça en mathématiques. D'accord? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est pour l'une des raisons. Je dis moins B fois moins B. Moins B fois moins B qui est égal à plus B carré. Nous avons moins B multiplié par moins B. Ça donne plus B. D'accord? C'est facile. Et maintenant, comme je vous avais dit, en mathématiques, lorsqu'on est en multiplication, si on multiplie moins par moins, ça donne plus. Moins par moins, ça donne moins fois moins. Moins fois moins, ça donne plus. Moins fois moins égale plus. Plus fois plus égale plus. Moins fois plus égale moins. Moins fois plus égale moins. Plus fois moins égale moins. En mathématiques, d'accord? En multiplication. En multiplication, c'est ça. C'est pour ça que je dis moins B fois moins B égale à moins B carré. Moins B multiplié par moins B, ça donne plus B carré. OK, mesdames et messieurs, regardez bien. On va trouver les résultats. On va trouver ça, regardez. Est-ce que vous avez autre A? Est-ce que vous voyez? A, il n'y a pas d'autre A. Nous avons un seul A carré. Qu'est-ce que nous allons faire avec ça? Que devons-nous faire avec A carré? Nous allons descendre A carré. A carré. Et puis nous avons moins AB, moins AB. En opération. Moins AB, moins AB. Ça donne moins. Et puis, n'oublie pas, il y a le coefficient qui est 1. Nous avons un coefficient ici et nous avons un autre coefficient ici. 1, OK? 1 moins 1, OK? Moins 1 moins 1, ça donne moins 2. Moins 2 AB. Moins 2 AB. Parce qu'il y a le coefficient AB, c'est moins 1. Le coefficient de AB, c'est moins 1. Nous devons, OK, dire moins AB, ça donne moins des AB. Et puis, est-ce que vous voyez ici, est-ce qu'il y a un autre B au carré? Non, il n'y a pas. S'il n'y a pas un autre B carré, nous allons descendre B carré ici. Voilà, c'est ça le résultat. C'est ça le résultat. A carré, A plus A moins B au carré est égal à A carré moins des AB plus B au carré. C'est ça. Voyez avec moi. Apprendre en mathématiques avec moi, c'est facile. Et alors, pour ceux qui aiment mathématiques, OK, c'est très facile. Nous allons apprendre beaucoup de choses en mathématiques ici. Regardez. Et maintenant, aujourd'hui, on parle de l'identité remarquable. On parle de l'identité remarquable. Est-ce que vous voyez, mesdames et messieurs? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Mesdames et messieurs, amigos. Hola. Hello, everybody. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, laissez-moi un message. Laissez-moi un commentaire, s'il vous plaît. Laissez-moi un commentaire.
Nous sommes en train de parler de l'identité remarquable. D'accord? L'identité remarquable. Et pour comprendre la formule, dans cette vidéo, c'est facile. On va découvrir une formule qui va nous permettre de développer A plus B au carré, qui est égal à A carré plus B plus 2AB plus B au carré. A plus B au carré est égal à A carré plus 2AB plus B carré. A moins B au carré est égal à A carré moins 2AB plus B au carré. Alors, quel est l'intérêt de cette formule? L'intérêt de cette formule, c'est qu'elle va nous permettre de développer plus rapide. Alors, mesdames et messieurs, c'est ça son intérêt de cette formule. C'est ça son intérêt. Son intérêt de cette formule, c'est développer plus rapide et A plus B au carré. A moins B au carré. C'est ça. Laissez-moi un message. Je vous attends. Je vous attends, je vous attends, je vous attends. Je vous attends. Un message. D'accord? Mathématiques aujourd'hui. C'est facile. On est en train de parler de l'identité remarquable. D'accord? Avant d'aller plus loin, laissez-moi savoir si vous êtes là. Est-ce que vous êtes là? Laissez-moi un message. On va continuer. Regardez bien. I love Jesus, who is my life. On solid rock, even if something comes to make me fall, He will support me. Jesus, my Savior, He is my fortress. You are more. Dernier légenderie, 1 plus 1 égale à 2, 1 plus 1 égale à. Ok, 2, c'est bien. Your amour. Amour à Jésus, quien est ce escudo, il me défenseur. Quando Satanas, viene à tentar, il me soutiendra. Jesús mi salvador, Él es mi fortaleza. Hey, y viene a ti, tu nueva bendición, y es contra mí. Y viene el diablo, y viene el diablo. I love Jesus, He's my fortress, He's my fortress, He's my savior. Amo a Jesús, que construyó. Vida en roca sólida. Jesús construyó mi vida. J'aime Jésus qui construit ma vie. Si les walks sont libres, même si ça convient, vous me faites tomber. Il me soutiendra. Jésus mon sauveur, il est ma forteresse. J'aime Jésus. Jesus. Yes, I love Jesus. He is my fortress. He is coming soon. He is my savior. Jesus. Even in certain times to make me fall, He will support me. He is my fortress. You are more.
Yes, love is ours. Boy, yes, I love Jesus. He, ah, oui. Oko, men. Ah, oui. Salut, 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 salut. Yes, si somos, si somos, si somos. Estamos ahí, damas y caballeros. Vamos, dale, dale, dale. Así. Así. Venga, 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 venga. Oh, oui. Identité remarquable. C'est ça qu'on voit maintenant. On parle de l'identité remarquable. On parle de l'identité remarquable en ce moment, mesdames et messieurs. Hablamos de identidad en matemáticas. Ok? Ya yo acabé d'expliquer en espagnol. J'ai déjà vous expliqué ça en français. Ok? J'ai déjà vous expliqué ça en espagnol. On a déjà expliqué ça en français et en espagnol. Et maintenant, on va continuer. D'accord? On va continuer, mesdames et messieurs. Il n'y a aucune personne. Est-ce que vous êtes là? Ok. Rachel Jean. Are you here? Are you here, Rachel Jean? Rachel Jean, are you here? Ok. Rachel. Et Juan Diego Primos. Juan Diego Primos. Primos, ¿cómo están? ¿Están ahí todavía? Primos. Ok. Déjenme un comentario. Ok, you can comment. Leave a like. Thank you. Leave a like. You can share this video. Vous pouvez partager cette vidéo, mes amis. Pueden compartir esta video, amigos. Amigos, amigas. Comparte esta video. Pueden compartir esta video. Ahora vamos a seguir. A continuación, no hay nadie que está ahí. No hay nadie que está ahí. Aló, 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 aló. No hay nadie que está ahí todavía. Ok, pas de personne. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Dites-moi que vous êtes là, dites-moi. Et faites-moi, ok, faites-moi savoir si vous êtes là. Laissez-moi savoir si vous êtes là. Dites-moi si vous êtes là, si vous êtes avec moi. D'accord? Yo estoy. Ok, merci. Thank you, gracias. Legendary. Ok. Legendary. Mela. C'est quoi Mela? Legendary a écrit Mela. Ok, what you put? Legendary, you put something. Tu mets quelque chose. Je ne comprends pas. Bien. Ok, très bien. Ok, on a déjà démontré, mesdames et messieurs, c'est parti, non? On a déjà démontré. Nous allons continuer, mesdames et messieurs. Et maintenant, on a déjà parlé sur cette formule A plus B qui est au carré et A moins B au carré. Et maintenant, exercice. Ok? Let's continue. We will to talk about exercise. What now? Nous allons résoudre dans quelques exercices, mesdames et messieurs, tous ensemble. Merci. Vous êtes là? Vous êtes là? Ok. Continuez. Bien, yeah. C'est parti. Ok.
toujours cité remarquable. Toujours identité remarquable. Bien. Toujours sur identité remarquable, nous avons exercice. Deux x plus trois égale. C'est ça, on va voir maintenant. Nous avons 2x en plus 3. Nous allons voir, nous allons travailler sur... On va voir. Alors, nous allons parler, nous allons travailler sur 2x plus 3. D'accord? D'accord? 2x en plus 3. En utilisant la même formule. D'accord? En utilisant la même formule. Mais comment s'appelle cette formule? Comment nous devons utiliser ça? Alors, mesdames et messieurs, nous allons utiliser une formule. Alors, est-ce que vous savez comment s'appelle cette formule que nous allons utiliser? Nous allons utiliser une formule qui s'appelle distributivité. Nous allons utiliser une formule qui s'appelle distributivité. C'est ça qu'on va utiliser, juste pour résoudre. 2x plus 3. 2x plus 3 au carré. D'accord? C'est parti. Comment vous faites pour développer cette expression? Comment vous faites pour développer cette expression? Comment vous faites pour développer cette expression? Pour développer cette expression, vous utilisez la double distributivité. C'est ça qu'on va utiliser. D'accord, regardez bien. Nous allons utiliser une expression qui s'appelle la distributivité. La distributivité qu'on va utiliser pour développer ça, A plus B au carré. Okay, ça, c'est l'exercice. Mais nous allons utiliser une formule qui s'appelle... Nous allons utiliser une expression qui s'appelle la distributivité. La distributivité va nous permettre de développer cette expression, cet exercice-là. Regardez, l'exercice-là, cet exercice, c'est facile. Comme vous savez déjà, A plus B au carré est égal à A carré. Est égal à A carré plus 2AB plus B au carré. D'accord? A plus B au carré est égal à A carré plus 2AB plus B carré. Alors, nous allons utiliser une expression qui s'appelle la double distributivité. Alors, ça va nous permettre de développer cet exercice-là. On va voir. On a dit, ça c'est pour A, et puis ça c'est pour B. D'accord, regardez bien. Nous avons 2x qui représente A. Et puis, nous avons 3 qui représente B. Nous avons 2x qui représente A. Et nous avons 3 qui représente B. Que pouvons-nous faire? Nous allons dire
2x qui est A, 2x, 2x au carré, plus 2 facteur de A qui est 2, 2x, et puis facteur de 3, plus B carré, qui est B, 3 qui représente B, 3 qui représente B. Là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Regardez avec moi. Et maintenant, si nous avons 2x, lorsque nous avons 2x au carré, nous avons 2x au carré, on peut multiplier ça deux fois. 2 fois 2, 4. Et puis, x par x, x au carré. Vous voyez, c'est facile. Nous avons 2x au carré. 2x au carré. Nous avons 2x au carré. Si nous avons 2x au carré, alors on peut multiplier 2x par 2x. 2x fois 2x, ça nous donne 4x. D'accord? Plus 2 fois 2, regardez, nous avons 2 fois 2, 4. 2 fois 2, 4. Et puis nous avons 2 fois 2, 4. 4 fois 3, 12. Ça nous donne 12. 12x. Et puis nous avons plus 3, nous gagnons 3 au carré. OK, lorsqu'on a 3 au carré, OK, 3 multiplié par 3, ça nous donne 9. Alors, c'est ça? OK? C'est ça. Vous voyez? C'est facile. Est-ce que vous voyez? Nous avons 4x carré plus 12x plus 9. Yeah? Ça va? Ça va, 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 ça va? Jusque là, ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Je sais que les gens n'aiment pas mathématiques, mais il y a des gens et OK, il y a des gens qui aiment mathématiques et que c'est comme ça on trouve des gens qui n'aiment pas. Il y a des gens qui n'aiment pas mathématiques et il y a des gens qui aiment mathématiques. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça la vie. Voyez bien. Nous avons 2, ici, puisque nous avons 2x qui représente A au carré, on multiplie ça ici deux fois. On dit, qu'est-ce qu'on dit? On dit 2x fois 2x, 2x fois 2x, ça nous donne 2 fois 2, 4, et puis x fois x, x fois x, ça donne x au carré, ça nous donne 4x carré, d'accord? Et puis encore, ça, nous avons une fraction, d'accord, ici. Et puis, nous avons 2 fois 2, 4. 2 fois 2, 4. 4 fois 3, 12. Ça nous donne 12x plus 9. 2 fois 2, 9. Ça nous donne, c'est facile. C'est ça le résultat. Alors, cette expression et la double distributivité, ça nous permet de développer cet exercice que nous avons ici. D'accord? Ouais.
Estamos aquí? Estamos bien? Ça marche? Est-ce que c'est bien? Vous n'aimez pas mathématiques? Vous n'aimez pas mathématiques? Vous n'aimez pas mathématiques? Est-ce que vous aimez mathématiques? Est-ce que vous aimez mathématiques? Est-ce que vous aimez mathématiques? Si vous aimez mathématiques, alors c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. D'accord? Allez, 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 allez. Yahweh marche avec nous, non, on y va. Marchez avec. Marchez avec. Les seigneurs marchez avec. Fais-moi pas cabaret. Nous rêvons pas qu'à souquer, non. Le valet soit qu'à voter nos lèvres. Mauvais, c'est pas qu'à souffler. Mathématiques, pas qu'à bloquer. Vos excessifs, pas qu'à bloquer. Bon Dieu, mettez là pour nous résoudre. Yahweh, marchez avec Yahweh. Fini marcher avec, marcher avec. Les guillemets ouais, en bateau, bateau va faire le voyage. C'est lui qui fait capitaine, il va quitter nous les niais. Mais quand on donne la pape. Dans tout petit village sur New York, autant bête des mêmes mauvais, aussi comme des mêmes mauvais. Mathématiques, papa! Mais nous! C'est nous! C'est nous! C'est nous! C'est nous! Oui! Ah oui! C'est bon, là. Ok, c'est bon. Bougez. Oui. C'est comme ça. Mesdames et messieurs, bonsoir. Marchez. Yahweh, marchez avec. Yahweh, marchez avec, oui, Kevin, oui, comme là. On arrête la musique. Ok. Ça va. Et maintenant, nous allons vous donner, ok, nous avons 2x plus 3 au carré. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un autre exercice. On va voir un autre exercice sur A moins B. A moins B. Est-ce que vous comprenez jusque-là, ça va? Alors, pour développer cet exercice-là, vous devez passer par une expression qui s'appelle la double
la double distributivité. Alors, ça va vous permettre de développer cet exercice plus facile en utilisant la formule identité remarquable. D'accord? C'est ça, A plus B au carré. Nous avons... Yeah, OK. Et si nous avons X moins, nous avons X moins 4. Si nous avons X moins 4, voilà. Nous avons X moins 4. Qu'est-ce que ça va nous donner? X moins 4, on va passer par A, ok? On va passer par A moins B. A moins B, on va passer par A moins B au carré qui est égal à A carré moins 2 AB plus B au carré. C'est ça? Nous allons passer par A, ok? A moins B au carré qui est égal à A carré, qui est égal à A carré moins 2AB plus B au carré. Regardez avec moi. Si nous avons X moins 4, si nous avons X moins 4 au carré, alors nous allons... Quelle expression nous devons utiliser? Nous devons utiliser une expression. Nous devons utiliser une expression qui s'appelle la double distributivité. C'est ça qu'on va utiliser. D'accord? Ça va nous permettre de trouver ça facilement. Regardez avec moi. OK, nous avons X moins 4 au carré. D'accord? Si nous avons X moins 4 au carré, on va dire ça est égal à X au carré, qui est égal à A au carré, égal... OK, X au carré moins 2 facteur de X et puis facteur de moins 4. Et puis, nous avons plus B au carré, qui est égal à moins 4 au carré. C'est facile. Regardez bien, nous avons passé par cette formule, nous allons passer par la double distributivité. Regardez bien, nous avons x au carré moins 2 facteur de x, facteur de moins 4 plus moins 4 au carré. OK, on y va. Nous avons x multiplié par x. X au carré qui est égal à X multiplié par X. X multiplié par X est égal à X au carré. C'est pas X plus X. Ça, c'est différent. Si nous avons X plus X est égal à 2X. Mais si nous avons X multiplié par X, ça nous donne X au carré. Mais ça, c'est X multiplié par X, ça nous donne X au carré. Mais si nous avons X plus X, ça donne 2X. Pourquoi? Parce qu'il y a un coefficient ici. Il y a un coefficient. OK? Nous avons un coefficient devant X. OK? Variable.
nous avons x qui est le variable, et puis nous avons 1 qui est le coefficient du variable. Si nous avons 1 qui est le coefficient du variable, nous devons additionner. Mais ici, ça, c'est multiplication. Ici, ça, c'est multiplication. Ce n'est pas addition. D'accord? X par X fois X. X fois X est égal à X au carré. X fois X est égal à X au carré. X fois X est égal à X au carré. Est égal à X au carré. Moins. On va voir. OK. D'accord? Ça ne peut pas rester comme ça. Ça nous donne moins 2A. X au carré moins 2, des fois 4, 8. OK. Et 4 fois 4, 16. 4 fois 4, 16. 4 fois 4, 16. 4 fois 4, 16. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Vous comprenez? Je pense quand même moins ça donne. OK, moins 2A. Moins 2AB. OK, moins 2AB. Qui est 4? Pardon. Moins 2AB. Moins 2AB. Ça nous donne moins. Des fois 4, 8, moins. C'est ça le résultat. Est-ce que vous voyez? Si nous avons moins. OK. Lorsque nous avons moins 4 multiplié par moins 4, moins 4 multiplié par moins 4 est égal à. OK. Plus 16. Plus 16. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous voyez, vous comprenez? Moins 4 multiplié par moins 4 est égal à moins 16. Moins 4 multiplié par moins 4 est égal à moins 16. D'accord? Oui. D'accord? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Oui? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Llego la gracia de Dios, con gozo le danzaré. Llego
por la gracia de Dios, con gozo le cantaré. Por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, con gozo le cantaré. Porque tan solo de Dios, y su nombre le exaltaré. Porque tan solo de Dios, con mi vida alabaré. Le canto con devoción y su nombre exaltaré. Hoy le danzo con devoción, con mi vida alabaré. Vivo la gracia de Dios, vivo la gracia de Dios, vivo la gracia de Dios, con gozo le cantaré. Vivo la gracia de Dios, vivo la gracia de Dios, vivo la gracia de Dios, con gozo le danzaré. Así. Así llego, así llego, así llego en mi familia, en mi nación. Gracias por la salvación, el anhelo de mi corazón. Alabamos su redención con todo mi corazón. Gracias por la salvación, el anhelo de mi corazón. Alabamos su redención con todo mi corazón. Vengo la gracia de Dios. Así, así. 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 Vengo la gracia de Dios. Aquí. Llego la gracia de Dios. Así, así. Llego la gracia de Dios. Llego la gracia de Dios. Así, así. Llego la gracia de Dios. Así, así. Llego la gracia de Dios. Así, así. Llego la gracia de Dios. Aquí, aquí llego. Aquí. Así llego. Aquí llego, así llego, 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 aquí llego. Así llego, así llego, así llego, así llego, así llego, aquí llego, así llego, así llego, así llego, aquí llego, así llego, aquí llego. Así llego, aquí llego, así llego, llego la gracia de Dios. Voilà, c'est ça, mesdames et messieurs. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Ok. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes là? Ouais. Merci, 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 merci. Merci. OK. Merci, 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 merci pour votre présence. Merci pour votre présence. Merci. Merci pour votre présence. Vous êtes là? Vous êtes là? Ou non? Est-ce que vous êtes là, mes amis? Non, non, non. OK, maintenant, identité remarquable. On avait parlé sur A plus B et A moins B. Il y a de l'identité remarquable. Et est-ce que si vous avez A carré moins B, OK, comment vous pouvez résoudre ça?
Vous pouvez m'aider? Oui ou non? Si vous avez A moins B, est-ce que vous pouvez m'aider à résoudre ça? Oui ou non? Oui ou non? Non? Et si nous avons A carré, moins B carré, que pouvons-nous faire pour résoudre, ok, des exercices comme ça? On parle de l'identité remarquable. Vous êtes prêts? Vous voyez? Oui? Oui ou non? Non? Personne? Vous pouvez? Oui. Vous pouvez? Si on a A plus B, facteur de A moins, ok, A plus B. Regardez, si nous avons A par A, ça nous donne A carré. Si nous avons A, ça donne A carré. Et si nous avons B, ça donne B au carré. Vous êtes prêts? Vous pouvez faire ça comme ça? Est-ce que vous pouvez résoudre comme ça? Non? Il n'y a pas de personne? Ok. On arrête là. S'il n'y a pas de personne, on arrête là. Jusque là, ça va, merci. Merci. Merci d'être avec nous. Et vous allez passer une bonne nuit. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, mes amis. Bye, bye. Maintenant, on va voir Mathieu et Pierre qui va jouer piano. Béni. Ok. Mathieu va jouer du piano. Il n'y a pas personne. Oui. Ok, Mathieu Joël Clotaire va jouer pour nous. Joël va jouer pour nous. Merci. On a terminé. Merci d'être avec nous. On était en train de parler de l'identité remarquable en mathématiques. On avait résolu quelques exercices. D'accord? Merci. Ok, d'accord. Merci mes amis, merci.
Merci. Vous êtes là toujours, vous êtes toujours là. Est-ce que vous êtes toujours là? Yastara y de la vie, Yastara qui? Non? Nous avons dit, nous avons dit, mas. Nous avons dit, mas. Merci. Merci, merci, merci. Allez passer une bonne nuit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Allez passer une bonne nuit, mes amis, mes amours. Au revoir.